Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo scrap. Aujourd'hui, je me sers du punch paper de chez Action comme d'un pochoir. Je viens le positionner sur ma carte et ensuite je me sers de pigments couleur rose. Et je vous laisse regarder ça. Je vous invite au voyage puisque je vous emmène aujourd'hui au Japon. Je vous retrouve un petit peu plus tard sur la vidéo. Alors voilà déjà le devant de la carte fini et comme vous pouvez le constater c'est magnifique. J'ai volontairement mis le petit panneau thank you sur l'éventail en le laissant toutefois dépasser pour le rendre plus joli et je vais faire maintenant l'intérieur. Voici donc la carte finalisée complètement et franchement je suis fan. N'hésitez pas à me donner vos avis d'ailleurs. Donc l'intérieur se présente comme ceci. J'ai volontairement choisi d'autres tampons mais qui sont aussi japonisants de façon à ne pas rappeler toujours l'effet de devant et tout en ayant quand même un fil conducteur. Je vais également vous montrer parce que cette carte je l'ai refaite en fait. Je l'avais déjà faite une première fois mais je n'avais pas filmé parce que le moment n'était pas propice et je l'ai trouvée tellement jolie que je l'ai filmée. Donc la voici, celle-ci était sur un papier craft marron
Donc avec le tour marron également, enfin couleur thé je crois, ou cire, je ne sais plus. Voilà, je n'ai pas fait l'intérieur par contre, parce que on peut très très bien écrire dedans sans problème. Mais voilà, donc il y a deux effets un petit peu différents. Je préfère personnellement celle sur fond noir, mais les deux sont magnifiques. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie de me suivre. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.